Les jeudis de l'économie avec la BCI. BCI, la banque partenaire de tous les entrepreneurs calédoniens. Les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission avec un invité aujourd'hui, Guillaume Pépi, qui est le président d'Initiative France. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes arrivé lundi, vous repartez vendredi. C'est un voyage très court, mais la Calédonie n'est pas complètement inconnue hein, pour vous. Vous étiez déjà venu sur le territoire. Oui, j'ai eu la chance depuis 25 ou 30 ans de venir 4 ou 5 fois. C'est un des plus beaux territoires du monde. Et puis les Calédoniens ont quelque chose de spécial. Ils sont extraordinairement attachants. Donc quand on est venu une fois, on reviendra. Est-ce que c'est parce que l'ENA, vous étiez dans la promotion Louise Michel, ça avait déjà créé non, des liens Non, pas <laughs> du tout. Pas du tout. Non, c'est vraiment le territoire et ses habitants. Et puis il y a quelque chose de vibrant en Nouvelle-Calédonie. Alors, on va parler avec vous, évidemment, de l'action d'initiative en Nouvelle-Calédonie. C'est peut-être l'occasion de rappeler ce qu'est Initiative France, parce que c'est une grosse structure qui aide beaucoup de porteurs de projets à pouvoir réaliser leurs rêves d'une certaine façon. C'est exactement ça, c'est-à-dire que, en fait, notre projet, c'est d'aider le vôtre. Autrement dit, nous sommes des bénévoles, des salariés, avec des partenaires, et notre mission, c'est d'aider toutes celles et tous ceux qui, à un moment donné de leur vie, ont envie euh, bah, de créer leur propre boîte, de créer leur emploi, de créer d'autres emplois, de, de, de se réaliser. Et nous, on fait, euh, on fait quatre choses. On accueille, on guide, ça c'est la première chose. Ensuite, euh, on finance, on prête, on fait un prêt d'honneur qui est à taux zéro. Et ce prêt d'honneur permet d'avoir un prêt bancaire très facilement. La troisième chose, c'est qu'on accompagne dans la durée souvent un an, deux ans, trois ans, cinq ans pour que la petite pousse euh, devienne de plus en plus solide. Et puis, euh, la quatrième chose qu'on offre, c'est de mettre euh, en réseau, c'est-à-dire de permettre à celle ou celui qui a créé sa boîte de connaître d'autres chefs d'entreprise qui vont devenir des clients, des fournisseurs. Et tout ça, parce qu'on est un réseau associatif, c'est gratuit. C'est ça qui fait la différence. Et ça marche du coup euh, Vous avez beaucoup de secteurs qui sont concernés par euh, ces entrepreneurs qui lancent leur activité Mais tous. Chaque année, on aide presque 30 000 personnes sur tout le territoire français à créer leur boîte. Alors, ça va des services à l'industrie, ça va de l'écologie jusqu'à des activités qui sont des activités de tech. C'est l'incroyable diversité de l'économie française qu'on aide. Alors, en Nouvelle-Calédonie, ça fait 15 ans qu'Initiative est implantée. Les chiffres sont assez étonnants. Elle hein. a aussi 800 entreprises créées, 1600 emplois, 2 ,5 milliards de prêts d'honneur accordés. Chaque année, je crois que les équipes d'Initiative NC rencontrent quasiment 500 personnes qui veulent lancer leur activité. Est-ce que ce dynamisme en Calédonie vous, vous surprend Alors, honnêtement, je suis assez bluffé. Euh, c'est vrai qu'on fête nos 15 ans, le bilan de l'association est un bilan époustouflant, mais on, on, on va plutôt se projeter dans les 15 ans qui viennent. Qu'est-ce qu'on qu qu va faire maintenant On va en parler, oui. Mais, mais c'est vrai qu'en Calédonie, il y a quelque chose de différent, c'est qu'on sent que c'est un pays pionnier, un pays, euh, j'allais dire d'aventurier, non, un pays d'entrepreneur. Et j'ai vu passer une étude passionnante où on voit que 39% des Calédoniens. C'est l'AFD qui l'a réalisé, absolument. Voilà. Oui. 39% des Calédoniens disent que. Un jour, le moment venu, ils auront sans doute envie de créer leur boîte. Il n'y a aucun chiffre comparable en métropole. C'est-à-dire qu'au fond, l'économie calédonienne qui repose beaucoup sur les très petites entreprises, les TPE, bah, cette économie, on peut être quand même optimiste parce qu'encore une fois, ici, il y a beaucoup de gens qui ont envie de se lancer. C'est-à-dire qu'il y a une. Vous parliez d'esprit pionnier. Il y a aussi l'envie le, le... de devenir maître de son destin, de maîtriser les choses. Oui, c'est vrai que. Celles et ceux que je rencontre moi ici, puisque ça fait déjà un peu, presque deux jours et demi que je suis sur la Nouvelle-Calédonie, disent trois choses. D'abord, la première motivation, c'est l'indépendance, c'est l'autonomie. C'est je suis mon propre patron par rapport au, à être salarié. La deuxième chose qui fait vibrer, c'est le défi personnel. J'ai rencontré des, vraiment des Calédoniennes et des Calédoniens qui se sont donné un défi faire une station-service dans une des îles de loyauté, euh, créer euh, une, une boîte d'autocom euh, dans le nord de la province, euh, une troisième personne qui euh, se lance à faire euh, des visites d'ULM. Bon, tout ça, c'est des gens qui se donnent un défi. Puis la troisième raison, c'est euh, le sens. C'est-à-dire vraiment le fait de créer son entreprise pour un territoire qui est celui de la Calédonie. Pour que la Calédonie ait un avenir et qu'il y ait du développement et de l'activité. Alors, Initiative NC, comme Initiative France, d'ailleurs, propose une aide financière. On va y revenir dans un instant sous la forme d'un prêt d'honneur, hein, qui est un prêt gratuit, en fait, accordé aux porteurs de projets. Mais au-delà de ça, il y a tout un accompagnement qui est mis en place parce qu'on peut avoir une bonne idée, on peut avoir envie d'être son propre praton et on peut être aussi très démuni face aux projets qu'on a devant soi. Donc, Initiative France et Initiative NC accompagnent les porteurs de projets c'est exactement ça. Beaucoup de gens ont envie, mais la première réflexion qui vient souvent, c'est de dire Je n'ai pas le diplôme, comme s'il y avait un diplôme de pour patron. Devenir chef. ça Oui, diplôme de chef. Non, <laughs> ça n'existe pas, le diplôme de chef. Et l'autre euh, raison, c'est de se dire Mais euh, je vais me planter parce que je vais être tout seul. Donc j'ai une anxiété. Sur ces deux points-là, Initiative Nouvelle-Calédonie a des réponses. Pour ce qui est de la formation, si on peut dire, eh ben, on a euh, des parcours que l'on propose. Il y en a en Province Sud, il y en a pour les femmes. On les développe des parcours qui, pendant généralement six mois, vont amener chaque personne qui a cette petite musique en soi de dire je vais créer ma boîte à véritablement solidifier sa détermination, solidifier son projet, solidifier la future entreprise. Et, et, et au fond, c'est comme, comme un entraînement euh, sportif. Voilà, on s'entraîne pour être prêt le jour-j'. Le jour et puis, une fois que l'entreprise est créée, il y a effectivement un autre accompagnement qui est différent. C'est jamais seul avec initiative. C'est-à-dire qu'on est là en permanence. Un contrôle URSAF, un mauvais moment à passer avec la banque, un plan d'action commercial qui n'a pas marché. On est aux côtés de, des entrepreneurs pour les aider à passer les caps difficiles. Et après, les entrepreneurs peuvent voler de leurs propres ailes Et ils peuvent Ça. nous aider ensuite à aider d'autres entrepreneurs, c'est-à-dire qu'ils viennent membres de l'association. Et eux-mêmes vont aider d'autres personnes. Alors, l'envie de créer sa, sa propre entreprise est un déclencheur, mais on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Euh, là aussi, euh, Initiative NC euh, joue un rôle particulier comme Initiative France, c'est-à-dire vous faites des prêts, vous appelez ça des prêts d'honneur. Qu'est-ce que c'est exactement Ça s'appelle prêt d'honneur parce qu'on vous on prête à la personne et on prête pas à la future entreprise. Donc c'est la personne qui s'endette. La personne s'endette, mais elle s'endette pas avec n'importe qui, elle s'endette avec une association qui est une association d'intérêt général. On peut avoir un différé de remboursement, on a des remboursements qui sont tout à fait raisonnables, et surtout le taux d'intérêt, c'est 0. 0,0. Et le résultat, c'est que tout le monde nous rembourse, parce que c'est un prêt d'honneur. Et ce prêt d'honneur, il remplace très souvent le capital que quelqu'un n'a pas pour créer son entreprise. Vous savez, quand on décide de créer son entreprise, très souvent, les premiers mois, bah, il y a un peu d'études de marché à faire, il faut acheter un minimum de choses, il faut dépenser un peu d'argent. Bah, ce prêt d'honneur, il va en quelque sorte donner le pied à l'étrier avant d'avoir un prêt bancaire. Et ce qui est bien en Nouvelle-Calédonie, je veux vraiment leur rendre hommage, c'est que les banques jouent le jeu. 100% de nos prêts d'honneur donnent lieu à un prêt bancaire. Ça, c'est évidemment important pour accompagner tous les porteurs de projets. C'est top. Euh, vous parliez il y a un instant euh, de ces prêts d'honneur. D'où vient l'argent d'Initiative France D'où vous-même vous tirez l'argent pour pouvoir le prêter aux porteurs de projets Comment fonctionne finalement Initiative France à ce niveau-là Alors, c'est simple. Puisqu'on fait un prêt d'honneur et qu'on est remboursé, une fois qu'on est remboursé, on peut reprêter à d'autres personnes. Autrement dit, euh, le fonds de prêt, le capital que nous, nous allons prêter, il tourne. Au fur et à mesure que nous faisons des nouveaux prêts sur les remboursements. Et ce capital, il vient eh d'abord des provinces. Les provinces, les trois provinces, sont toutes d'accord pour nous aider. J'ai eu la chance de voir les, les présidents et présidentes des trois provinces, là, en quelques jours. Ils nous ont renouvelé leur confiance. Donc, elle nous aide, mais ça vient aussi de la BPI, ça vient aussi d'autres parties prenantes qui nous aident à constituer ce fonds de prêt. Alors, vous l'avez dit, on fait les 15 ans d'initiative NC, vous avez dit vous-même, il faut penser aux 15 ans qui viennent. Alors, quels sont les projets que, qui sont dans les cartons quelle, sont la, quelle est la volonté d'Initiative France dans son accompagnement d'initiative NC Enfin, voilà, quelles sont un petit peu les perspectives de développement que vous voyez pour cette activité très particulière bah, moi, je ne suis pas un politique. Mais mon métier, c'est de comprendre où en est l'économie. Et ce que je ressens de l'économie calédonienne aujourd'hui, c'est que c'est le moment d'y aller. C'est le moment de créer sa boîte, c'est le moment d'investir. Pourquoi Parce que quand on, on se dit quel est l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, l'avenir, il est de toute façon dans la création d'activités. Et pour créer des activités... Il faut des chefs d'entreprise et c'est ces activités, ces chefs d'entreprise, qui vont apporter de la richesse et qui vont apporter de l'emploi. Euh, moi je pense que la solution crédible pour l'avenir de la Nouvelle Calédonie, c'est de créer de l'activité supplémentaire. Où ça, ou ça ben on, on voit qu'il y a des secteurs qui offrent des formidables occasions en Nouvelle Calédonie, euh, tout ce qui est le recyclage. Tout ce qui est l'écologie, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. La nature est extraordinaire, il ne faut pas la bousiller, il faut au contraire la protéger. Ensuite, les énergies nouvelles. Il y a besoin d'énergie nouvelle. Il y en a en Nouvelle-Calédonie, mais on peut sans doute faire 5 fois, 10 fois, 15 fois. Récupérer toute la chaleur des usines ou des installations, des fours, tout ça, ça fait des occasions de nouvelles entreprises. Les transports. Évidemment, c'est le pays de la voiture, mais il y a plein de transports. Collectif et de mobilité douce qu'on peut faire. Il y a aussi le tourisme qui est en train de repartir. Et puis il y a le numérique et le digital. Il y a déjà des Calédoniens qui se lancent dans la digitalisation et dans les nouvelles activités. Voilà, j'en ai déjà cité cinq secteurs il y en a bien d'autres. L'agriculture biologique. Qui se développe aussi en Calédonie, bien sûr. Oui. Voilà. Guillaume Pépi, vous, vous avez dit que c'est le moment de créer son entreprise en Calédonie. Vous savez aussi que la situation économique de la Calédonie est très fragile, voire, euh, voire grave. Il euh, n'y a pas un paradoxe, là, à se lancer dans une activité dans un moment où peut-être le contexte global est difficile Je crois qu'en Calédonie, on voit souvent les bouteilles à moitié vides. Moi, je la vois à moitié pleine. Et la bouteille à moitié pleine, c'est de se dire que. Oui, il y a des incertitudes dans ce pays. Mais vous ne croyez pas qu'en métropole, il y a des incertitudes. Qui va être président de la République dans cinq ans Quels vont être les mouvements de la société Bon, Il y a les mêmes inquiétudes. Et en Italie, et en... Bon, il y a partout des inquiétudes politiques dans notre monde. Mais ça ne doit pas être le prétexte à ne rien faire. Je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment se poser la question. Qu'est-ce qui va faire avancer la Calédonie Est-ce que c'est d'attendre Mais attendre quoi il faut au contraire avancer. Et je vois qu'il y a des banques qui ne demandent qu'à avancer. Il y a des investisseurs qui réfléchissent aujourd'hui à investir plus en Calédonie. Il y a une zone tout autour de la Calédonie, une zone indo-pacifique, avec des petits et des grands États qui n'attendent qu'une seule chose, c'est que les Calédoniens exportent. On ne pense pas beaucoup à l'export en Calédonie, mais pourtant, il y a, des, il y a vraiment autour des possibilités d'exportation qui sont formidables. Donc c'est pour ça que je pense vraiment que le moment est venu. Et puis, pardonnez-moi, quand je rencontre euh, les trois présidents, euh, Mme Bakes, euh, M. Neaoutine et M. Lallier, j'ai entendu la même chose sur le plan économique. C'est allez-y, venez, il faut se jeter à l'eau, et nous, on sera derrière les projets des entrepreneuses et des entrepreneurs, et on est prêts. À aider et à toujours plus soutenir. Alors, vous le savez, on dit souvent en Calédonie, et c'est vrai dans les autres Outre-mer, que l'insularité peut être un frein à ce développement, à cette volonté d'entreprendre. Vous le considérez comme un frein ou comme une richesse Mais comme une richesse, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses euh, qu'on importe et qu'on pourrait progressivement faire en Calédonie. Euh, ou Avec la double insularité, euh, sur les îles Loyauté, que l'on fait venir de la Grande Terre, mais qu'on pourrait faire localement. Euh, la salade, elle n'a pas vocation à venir sous plastique de métropole, euh, en ayant en plus une empreinte carbone épouvantable. Bon, c'est peut-être un tout petit exemple, mais des exemples comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc moi, je crois que l'insularité, c'est aussi une formidable opportunité de faire des choses nouvelles, de se prendre en main, et puis, n'oublions pas, L'économie de demain, c'est beaucoup ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire, mmh. au lieu d'acheter et de jeter, on va entretenir, on va réparer, on va louer au lieu d'acheter. Et tout ça. Et on va recycler euh, en fin de course. Et on va recycler en fin de course. Et tout ça, c'est des nouvelles activités qui n'existent pas. On a soutenu avec plaisir la première activité de recyclage en Calédonie de papier et de carton. Et c'est un projet qu'on soutient. Ben, il y en aura d'autres. Alors, Guillaume Pépi, Initiative France et Initiative Nouvelle-Calédonie, finalement euh, privilégiés par le biais de ses porteurs de projets, qu'elle accompagne une économie de proximité, mmh. euh, une économie enracinée. On sait aujourd'hui, et quand on regarde les mouvements sur la planète, que l'économie mondialisée est fortement perturbée. D'abord, ça a été le cas évidemment avec euh, le virus, et puis aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. Est-ce que finalement cette économie de proximité est une forme de, de résistance face aux grands mouvements qui peuvent affecter le monde Je pense que vous avez absolument raison. Et d'ailleurs, euh, on va dire que la Calédonie est une terre de résilience. Hein. Euh, vous avez traversé le Covid euh, vraiment, le, le, chapeau bas, hein, le, le, le mieux qu'il était possible de le traverser. Vous avez serré les dents, mais franchement, chapeau sur la façon dont collectivement, vous avez réussi à, à, à gérer le Covid. Et, et, et là, aujourd'hui, l'économie redémarre, mais elle ne démarre pas comme elle était il y a cinq ans. Elle démarre sur d'autres bases. La réorientation de l'économie, plus de proximité, plus de local, plus de solidarité, plus de circuits courts, plus d'économie circulaire, c'est la réalité. Il y a une étude incroyable, je crois qu'il vient de sortir au début de la semaine, qui, qui dit que pendant les 20 prochaines années, l'économie circulaire va avoir une croissance à deux chiffres dans le monde entier, jusqu'à représenter probablement 25 ou 30% de la richesse d'ici 20 ans. C'est-à-dire qu'il y a un changement de paradigme qui est en train de s'opérer Je crois, mais c'est tant mieux. Hein. C'est tant mieux, on jette moins, on recycle, on répare, euh, rien n'est perdu, les matériaux, et je crois que ça correspond profondément aussi à une, à une culture euh, dans la Calédonie qui fait que la terre est sacrée, c'est une ressource, on ne l'abîme pas, on la transmet. Donc... Je pense que la Calédonie, c'est aussi une grande terre d'entrepreneurs. Est-ce que la réussite finalement de tous ces projets portés par initiative, enfin accompagnés par initiative NC, vient du fait que la Calédonie est aussi un territoire, on va dire, globalement rural, c'est-à-dire qu'il y a peut-être moins de grandes villes que dans d'autres territoires, ce qui favorise l'implantation, les projets de petite envergure Je crois que c'est la diversité qui est l'atout la, principal. Les trois provinces ne sont pas là par hasard, elles sont très très différentes. Et elles ont chacune des forces et aussi besoin les unes des autres. Je ne vois pas comment elles pourraient vivre les unes sans les autres. Donc c'est cette complémentarité là, euh, très insulaire, avec la brousse, avec euh, aussi euh, la métropole de Nouméa et avec tous ces flux de, 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 dans les familles, dans les populations, dans les entreprises. Tout ça, c'est de, de la richesse, c'est pas une faiblesse. Moi, je, je suis frappé parfois par le fait que en Calédonie, on, on dit souvent c'était mieux avant, mais c'est mieux aujourd'hui et ça sera surtout mieux demain, parce que l'avenir de la Calédonie, il est d'abord dans la création d'activités, dans la création de richesses qui vont profiter à tout le monde. Euh, Guillaume Pépy, c'est encore un peu tôt pour vous demander un bilan de votre séjour, puisque vous repartez que demain soir, je crois, mais déjà, qu'est-ce que vous avez senti aujourd'hui Qu'est-ce que vous allez ramener en métropole de ce séjour en Calédonie Qu'est-ce que vous allez partager aussi aux équipes d'initiative France ben Déjà, je pense que... Si je suis très franc, il ne faut pas que la politique mange tout en, Cali en Calédonie. On aime beaucoup la politique, moi aussi. Tout est politique, on dit. On voilà. a l'habitude de dire ça en Calédonie, c'est vrai. Ben oui, mais c'est faux. C'est faux. L'économie, ce n'est pas politique. L'économie, c'est des besoins, c'est des produits, c'est de la compétitivité, c'est des marchés, et ensuite, c'est de la création de richesses. Et ce n'est pas politique. Et moi, je vous dis, quand j'ai vu les trois présidents des provinces, je n'ai pas senti. Que l'entrepreneuriat, c'était politique. J'ai senti en revanche que c'était l'avenir de la Calédonie. Et encore une fois, 90% des emplois, ils sont dans les TPE et dans les PME. Et donc, euh, c'est ça que je ramènerai. Et puis, sur euh, Initiative France, il y a plein de choses qui se font ici, qu'il faudrait qu'on fasse en métropole. Je vous en cite une ces fameux parcours. Les parcours en amont, c'est-à-dire euh, quelqu'un vient vous voir sonner à la porte. Il y en a 500 euh, chaque année qui viennent nous dire ⁇ J'ai peut-être une idée, mais je ne me sens pas prêt ⁇ Eh bien, on les fait entrer dans des parcours qui s'appellent Entrepreneuriat au féminin ou des parcours qui sont proposés par la province sud. Eh bien, ces parcours-là, qui, qui accélèrent l'envie d'entreprendre, eh bien ça, c'est une particularité d'Initiative Nouvelle-Calédonie. Et, et d'ailleurs, tous ceux qui, qui veulent nous contacter, et encore une fois, nous sommes une association, nous sommes gratuits, peuvent nous contacter sur Initiative-NC. C'est une façon d'entrer en contact avec nous. Une fois que le contact est pris, l'essentiel est fait On peut dire ça Avec plaisir. Euh, Guillaume Pépi, pour terminer, euh, vous, êtes, vous avez de nombreux mandats. Hein. On sait que vous avez dirigé la SNCF pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, vous êtes président d'Initiative France. Vous êtes aussi président d'Orpea. Vous avez pris la présidence dans un moment un peu compliqué, puisqu'on sait les, les scandales qui ont touché ces établissements. Euh, vous êtes investi aussi, évidemment, dans cette mission euh, euh, à plein temps, j'allais dire, à plus que plein temps ben C'est-à-dire que c'est une entreprise qui a complètement changé, puisque l'ensemble de la direction générale a été remplacé. Il y a un nouveau directeur général qui s'appelle Laurent Guyot, qui est un homme exceptionnel, un homme, on va dire, de, de promesse. un homme honnête, un homme, qui est, qui est un, un homme engagé. Et la même chose pour le conseil d'administration, un nouveau conseil d'administration. Et moi, je préside le conseil d'administration. Et... C'est vrai que dans cette entreprise, il y a 250 000 personnes qui chaque année viennent dans nos établissements en psychiatrie, en convalescence ou pour le grand âge. Et il y a même 75 000 personnes, des, des professionnels qui font partie du personnel. Eh bien, ces 250 000 patients et résidents, ces 75 000 personnes du personnel, ils méritent qu'on s'occupe d'elles et qu'on s'en occupe bien, très loin des histoires de maltraitance ou des histoires de malveillance, des histoires de malversation, pardon, pas de malveillance, de malversation massive qui ont eu lieu dans le passé. Et donc c'est une refondation, c'est une reconstruction de cette entreprise, mais c'est nécessaire et on va la conduire et je pense qu'on va la conduire avec succès. Guillaume Pépi, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On vous donne rendez-vous dans deux, trois ans, alors, puisque c'est le rythme à peu près de vos séjours en Calédonie. Eh ben, je veux bien. Je veux bien. Paris est pris. Le Paris est pris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour ceux qui le souhaitent, évidemment, cette émission est en réécoute sur notre site Internet dans quelques minutes. Merci beaucoup et bon après-midi à tous. C'était les Jeudis de l'économie avec le service des opérations internationales de la BCI.